Bonjour à tous, vous êtes sur le point d'écouter une nouvelle chronique tirée de mon blog d'écriture. Si vous êtes connecté sur mon blog, vous pouvez suivre la lecture avec ma voix. Avant de commencer, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook et Instagram. Et surtout, à vous connecter à mon blog d'écriture. Je serai très heureux de vous compter parmi mes lecteurs. Je vous souhaite une bonne écoute. « 31 décembre 2017. Hier, j'ai laissé mes parents à l'aéroport. Les voilà repartis à Paris. Dans quelques mois, je les retrouverai. Nancy et Raymond m'ont ramené à la TUC. Qu'il est bon de retrouver son chez-soi et ses petites habitudes. Ce soir, pour fêter le nouvel an, je suis invitée chez Mélanie. Une soirée atypique pour moi, sous la neige, au bord d'un lac gelé. Un instant propice aux confidences et aux éclats de rire. Je suis heureux d'avoir croisé la route de Mélanie. J'ai trouvé ici une véritable amie. Chronique numéro 128, une nouvelle année québécoise. Il est minuit et une nouvelle année québécoise commence. Je suis perdu au cœur d'une nuit qui s'évapore, sous les braises d'un feu d'hiver. Perdu dans des paysages insaisissables, auprès de gens que j'apprends à aimer. Pourtant, dans la douceur de ces bonheurs nocturnes, je ne peux m'empêcher de penser à mes amis de toujours, Fred, Romain, Eva et Célie. Je suis loin, c'est vrai, mais mon cœur est encore avec eux. Je réalise que c'est la première fois que nous ne sommes pas ensemble pour un nouvel an. Il est minuit, et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour Célie. Je pense à cette phrase ridicule que nous crions chaque année, une coupe de champagne à la main. Cette année, c'est la bonne. C'est l'année du succès. Une phrase qui, avec le temps, est devenue une plaisanterie et non plus un véritable souhait. Et pourtant ce soir, je ne la trouve plus si absurde à l'aube de cette nouvelle année. Je suis venu sciemment me perdre dans les grandes forêts d'épinettes. Je suis venu jusqu'ici pour réparer quelque chose. Mes chroniques ne racontent plus les aspirations d'un auteur perdu. Mes inspirations renaissent. Des histoires s'annoncent, se concrétisent. Je suis perdu, mais je sais désormais exactement où je vais. Ce soir, dans ce silence, je pense à ce que j'ai laissé à Paris. Que font mes camarades? Rigolent-ils autant que moi? Ont-ils le cœur léger? Se font-ils une énième fois cette promesse? Retrouverai-je ma place auprès d'eux à mon retour? Ou bien aurais-je définitivement changé? Il est minuit, et une nouvelle année québécoise commence. Ce soir, je profite de ce cadeau de la vie, de ce voyage, de ces nouvelles amitiés qu'il m'a offertes. Même si je suis loin de Fred, Romain, Eva et Sémi, je suis heureux et accompli. Même si je suis loin, j'aimerais que cela ne prenne jamais fin. Il m'arrive parfois de penser que ma place est ici. De penser que rentrer serait une pure folie.